Alors, amour à tous. Donc là, je ne me mets pas en exergue, je ne me filme pas parce que quand je suis en train d'accueillir, je vois pas du tout comment je suis. Et donc, je peux prendre une mauvaise position, je peux. Donc voilà, donc j'ai mis un soleil, c'est mieux comme ça pour le moment. Donc, mon Dieu, mon aimé, j'aime que tu nous parles, que tu parles à la terre et que tu nous nourrisses de ton amour et de ta tendresse. Je suis présent, je suis la vie et je me manifeste dès cet instant. C'est dimanche. Normalement, vous devriez tous être dans un culte, en train de vous nourrir d'esprit, de spiritualité. Mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui travaillent. Il y en a qui font autre chose. Et il se passe plein de choses le dimanche matin qui n'est pas obligatoirement la culture du bien, la culture de la vie. Je ne vous en veux pas. Il y a eu tellement d'erreurs dites dans toutes les religions que ne plus en vouloir est presque normal. Mais me désirer moi n'a rien à voir avec la religion. Le mot Dieu, c'est la vie par le germe. Et c'est surtout ce dont vous avez besoin au plus profond de vous. Parce que reconnaissez que vous êtes quand même dans une période troublée. Vous ne pouvez plus attendre grand-chose des autres. Et au fond de vous, vous éprouvez que le monde doit changer. Mais comment? Puisque tellement de choses ont été essayées, pratiquement tout. Alors vous vous donnez des idéaux nouveaux, de paliers, encore. Alors que le plus grand, c'est véritablement de devenir vivant. C'est de perdre ce corps et de continuer de vivre. C'est de savoir véritablement qui est l'instigateur de ta naissance. Si je suis ton père, si je suis vraiment ce confident que tu cherches. Je ne te parle pas de l'époux encore parce que tu ne peux pas le concevoir. Nous verrons cela au 15 août. Mais en fait, qui peut féconder tes actes? Qui peut te donner la grandeur, la pérennité sur ce monde, parce que tu veux le bien, il n'y a que moi. Sinon, tout le restant est voué à un moment ou à un autre à sa disparition. J'aime te nourrir. J'aimerais parler ainsi dans toutes les églises, dans tous les temples, partout sur le monde. Je parle pour le moment dans ton écran. Mais tu l'entends par tes oreilles? Et tu peux faire battre ton cœur, ou du moins faire réagir, ou laisser réagir ta sensibilité. Je pourrais t'apprendre énormément de choses. Je suis éternel depuis tout temps. Mais ce que je veux, c'est que tu saches que tu es aimé. Je me manifeste en cet instant. Le mal est sur le monde. Je t'en parle dans un des derniers messages. Le mal est partout. Il se profile, il se dessine, il se met en action. Et d'une manière horrible pour les enfants, dans les couples, bien entendu dans toutes les ethnies. Et j'ai toujours dit que j'en avais horreur, puisque c'est toi qui le fais. Je veux que tu aies réellement envie de l'éliminer. Et c'est par notre communion, par la culture du bien. J'explique dans le dernier message que tu as déjà planté dans ta vie une graine, une pousse, et tu as veillé sur elle. Tu l'as rentrée lorsqu'il faisait trop froid dehors. Tu as fait attention s'il y avait trop de vent. Et cela t'a plu, de voir qu'elle germait, qu'elle grandissait, que par tout ce que pouvait être,
le soleil, l'air, l'eau, la photosynthèse. Elle devenait une fleur belle, avec des couleurs. Et je n'obtiens pas cela de vous, parce que vous ne vous intéressez pas à moi, enfin du moins pas assez, et surtout pas avec votre cœur. Apprends à le faire battre. C'est une production très intéressante, surtout par rapport à moi qui ne m'impose pas sur la terre. Tu ne me vois pas. Tu ne m'entends pas si tu ne le veux pas. Et tu n'es pas sûr que ta conscience, c'est encore moi-même. Mais je fais mon œuvre. J'avance avec toi sans trop que tu le saches. Je mets des baumes sur tes blessures. Et combien il y en a. Allez, sois très heureux. Je veux ton bonheur. Tu as des souffrances autour de toi. Tu as des blessures en toi. Tu as des connaissances ou des gens de ta famille qui sont elles-mêmes blessées. Peut-être à l'hôpital en ce moment. Je trace sur toi cette croix de lumière. Ce n'est pas le signe d'un supplice. C'est vraiment le point rayonnant la lumière. Je veux qu'il aille sur le monde entier, qu'il rayonne partout, éliminant les mauvaises réactions, les mauvaises pensées, les mauvais choix. Mais je veux le faire avec toi. Je me manifeste en ce présent, mettant en toi ce bien. Mon amour se manifeste. Je bénis, et cette bénédiction est réelle, car elle vient à la suite d'un bien-dire, du verbe qui s'exprime, parce que j'ai appris à beaucoup à pouvoir accueillir mon verbe, à pouvoir comprendre leur monde, comprendre ce qui se passe en chacun de vous, et surtout savoir ce que je veux, ce que j'aime, comment j'agis sur la terre. Je t'aime, mon enfant. Ressens cette bénédiction, profonde et promise, qui met en toi ce bien et qui bénit ton foyer, ta famille, et que je répands sur la terre entière. Car je veux que chacun éprouve mon baiser. Je vous aime, mes enfants. Je me manifeste. Régénère. Élimine le mal, crée ce bien à la place, donne le besoin de ma présence. Je me manifeste et vous bénis de tout mon amour. De toute ma lumière, et cela est. Amour, mon aimé.